وين شيشمانيه تقول سكوتو وسبيتو ما ما سيجب ايش في سوى الدشين نيكا ايكا نويتو بيكو شديدا اوكني تنوي ميجيشون كاتي أشتي ماتي اوستاجي سي
شاشنيتي بلي مقمالي تشيت ومالك شاشيت تابويتي كشاشيتين تشيت ومالك شاشيت أكون يا بيشتين مغبا أتوشبون لنيويان تشير ناكتا مناسي مواتي كاكوش بن ليتين نيكانا كاتا همالي تسايي تواماري أشاجيتا تابوي سيكا شاجيتين تسايي تواماري أشاجيتا Shine.
Pues
pishitaya chikashaya achieti chepe mirniwane mawas nirmirvaliten odeshitetakul nimushlaveliten mu tashkutatayakul shawasinashkubitin tabwes pishitaya chikashaya achieti chepe mirniwane
Senhor,
Et
Et Marie, l'évangile de Saint-Jean nous dit,
a aussi vécu toute sa vie dans la charité, dans l'attention aux personnes. Apprenant que sa cousine Élisabeth, déjà âgée, était enceinte, l'Évangile nous dit qu'elle est partie rapidement pour aller à sa rencontre, pour la compagnie. Ce que Marie a vécu dans la foi, dans la charité, c'est pour nous une leçon. Et voyez-vous, en célébrant ce matin l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, au fond, ce que nous célébrons, c'est ce message que Dieu nous lance à chacun d'entre nous, en disant, voyez-vous, Marie, comme vous, a vécu les joies, a vécu les peines. Elle les a vécues dans la foi, dans l'amour, dans la charité. Et moi, j'ai reconnu qu'elle avait suivi le bon chemin, parce que je l'ai accueillie auprès de moi, dans son âme. Et au fond, ce que nous dit la fin de la question, c'est que si chacun de nous, à l'exemple de Marie, nous vivons les joies qui nous sont offertes, nous vivons les peines que nous avons à rencontrer dans notre vie, si nous les vivons dans la foi, si nous les vivons dans l'amour, si nous les vivons dans la confiance, nous sommes appelés tous aussi à suivre le même chemin, à être accueillis auprès de Dieu, avec tout ce que nous sommes, pas à moitié accueillis, mais complètement. Bien, si vous voulez, nous allons ce matin nous tourner avec confiance vers celle que nous avons notre main. Remettons entre ses mains nos joies et nos peines. Prions-la d'intercéder pour nous. Qu'elle demande au Seigneur pour chacun d'entre nous une foi très vive. Qu'elle demande au Seigneur pour chacun d'entre nous une charité très grande. Et ainsi, je pense que nous pouvons vivre dans l'espérance, c'est-à-dire dans cette certitude que nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à suivre le même chemin que la vie. Seigneur Jésus, tu as voulu que pendant 72 ans, Monsieur et Madame Saint-Ange demeurent ensemble dans la fidélité, dans l'amour. Tu as voulu qu'ils portent ensemble la vie. Tu leur as donné des enfants. Aujourd'hui, dans leur vieillesse, daigne les bénir. Daigne bénir ces alliances qui ont été le signe de la fidélité qu'ils ont eue l'un envers l'autre. Et daigne, Seigneur, aussi les accompagner dans ton amour, dans ta fidélité jusqu'à la fin de leur vie. Nous te le demandons à toi, Fils et Règne, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Félicitations. Thank you.
Oh, sweet,
we te te mi te ne te e mi lo ashina no e ispi mi suasco ataco e ieri te we e mi lo ati co si mi te se e toi. Where did you find the milk? You have it.
Thank you.
promise de la Vierge Marie, sa mère, en lui demandant de bénir toutes les familles de notre communauté, en particulier les personnes qui souffrent, les personnes qui sont malades, et bénir aussi nos jeunes, nos enfants, ainsi que tous les parents et les aînés. Que Marie prie son Fils de nous combler de tout son amour, de nous combler de tous les besoins que nous pouvons avoir dans notre vie de tous les jours. Alors, je vais inviter les porteurs à s'accrocher pour le début de notre temps de procession. Nous allons nous diriger tranquillement vers cette croix dans la prière. Thank you.
Alors nous allons maintenant nous en retourner à l'église en chantant et en présentant au Seigneur toutes les personnes malades de nos familles, pensant plus spécialement à ceux qui marchent avec nous aujourd'hui et qui veulent que Jésus et Marie habitent leur vie, habitent leur cœur et qu'ils les fortifient. Alors nous nous en retournons à l'église pour un dernier temps de prière. Wow.
Et aussi pour qu'elle veille sur nous.
Et vous avez choisi comme patronne la mère de Jésus. Sans doute celle qui est le plus près de lui. Il me semble que c'est le moment aujourd'hui de dire à votre patronne tout ce que vous souhaitez de beau, de bon pour votre communauté. Dans le fond de chaque personne humaine, dans le fond de notre cœur, ce que nous souhaitons le plus ardemment, c'est d'être heureux. Mais je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout fait comme ça et qui nous tombe dans les mains. Le bonheur, c'est comme le fruit de notre travail. Le bonheur, c'est comme le fruit de certaines décisions que nous avons prises dans notre vie. Et je voudrais vous transmettre une conviction qui pour moi est très profonde. C'est que le bonheur, il vient quand on décide de faire entrer dans notre vie certaines valeurs, certains comportements. Le bonheur, c'est d'abord le fruit de l'amour. Le bonheur, c'est aussi le fruit de la justice. Le bonheur, c'est le fruit de la paix entre nous. C'est le fruit de la fraternité. Et le bonheur, c'est aussi le fruit de la discipline personnelle. On ne peut pas penser tout faire, n'importe quand, quand je le veux, comme ça me dit, et croire qu'on va être heureux. Pour être heureux, il faut une sorte de discipline personnelle. Et si vous voulez, c'est tout cela que nous pourrions parler ensemble cet après-midi à votre patron. Que Marie fasse grandir dans votre communauté l'amour, la justice, la paix, la fraternité et aussi la discipline personnelle. Et il me semble qu'au bout de tout ça, ce qui sera récolté, ce sera du bonheur. Non pas que la vie ne comportera plus de difficultés, non pas que la vie ne comportera plus de problèmes, mais on sera mieux équipé pour y faire face et on aura une nouvelle façon de les regarder. Il me semble que si nous demandons cela tous ensemble à Marie, si nous demandons à Marie d'intercéder auprès de son Fils pour qu'elle nous obtienne cette grâce, il est certain que nous serons entendus et que nous serons exaucés. Rappelez-vous cette parole de Jésus, « Quand deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. » Et si deux ou trois me demandent ensemble quelque chose, ils seront exaucés. Mais demandons au Seigneur, tous ensemble cet après-midi, qu'il nous aide à travailler pour que le bonheur grandisse, que chacun, chacune d'entre nous, nous soyons chaque jour un peu plus heureux. Heureux parce que nous réussissons bien, parce que nous mettons en valeur le talent. Heureux aussi d'être ensemble. Que Marie, Notre-Dame de Thierry, nous obtienne sa grâce.
Thank you.